Le vignoble savoyard, c'est plein de terroirs très confidentiels entre lacs et montagnes. C'est grand, hein, la Savoie. Hein. C'est très grand, c'est 2200 hectares. Bon, à l'époque, il y en avait 10 000, mais aujourd'hui, il y en a 2200 hectares qui s'éparpillent entre 100 km. Il faut imaginer qu'il est très éparpillé, mais qu'ici, autour du bassin chambérien, c'est un peu le plus gros vignoble, Chinien, Apremont. Et puis après, c'est tout le long en remontant sur Albertville, avec Arbin, Saint-Jean-de-la-Porte, Cruet, Saint-Pierre-d'Albigny, etc. Vous avez l'appellation vin de Savoie, qui est générique, avec les crus qui vont se séparer. Donc les crus, vous pouvez nous en citer quelques-uns? Voilà, bah, comme Chinien, Apremont, Abîme. Vous avez après l'appellation Roussette de Savoie. Donc 100% Altesse. 100% Altesse, exactement. Et il y a aussi exactement l'appellation Cécel qui existe, qui est juste au bout du lac du Bourget. Les vins blancs, on est 70% à peu près de volume de vin blanc. Aujourd'hui, on a une grosse culture de blanc, notamment chez nous, sur les zones un peu plus ensoleillées en sud-est, Arbin notamment, Saint-Jean-de-la-Porte. Il y a une vraie culture des rouges. Mais je pense que voilà, l'avenir est plutôt tourné, l'avenir est un peu tourné sur tous les cépages selon les terroirs. Ici, on se trouve sur des zones plates un peu plus tardives qui se prêteront bien à des blancs avec de l'acidité. Et après, sur les coteaux, notamment pour le cépage mondeuse qui fait un peu moins d'alcool, notamment des beaux coteaux ensoleillés seront intéressants. Hein, voilà. Après, ça, on va avoir 20% de vin rouge. Et puis 5% de rosé et 5% d'élaboration avec le crémant de Savoie et les effervescents en méthode traditionnelle. Ouais. Les vins de Savoie sont assez connus pour leur vin blanc, notamment avec le cépage Jacquère, qui va donner l'Apremont, le Chinien. Qui est un super cépage qui fait des vins peu alcooleux, assez vifs. On va dire avec un peu d'acidité, mais qui a vraiment un aspect qualitatif pour moi qui est très intéressant. Et puis après, on a le cépage Altesse qui donne la Roussette de Savoie. Qui fait des vins sur la finesse, un peu plus d'alcool que la Jacquère. Souvent, on est entre 12,5 et 13. Et on a également un petit peu de Roussanne avec le Chinien Bergeron. Un peu de Chardonnay, ici à Brison-Saint-Innocent, qui est le coin du Chardonnay avec son argile. Et puis, les vins de Savoie, c'est aussi 30% de vin rouge. D'accord. Mm. Avec des cépages spécifiques là aussi. Exactement, avec le cépage emblématique qui est la Mondeuse Noire. Qui est un cépage assez rustique, assez productif, qui fait des vins, pareil, très peu alcoolisés, un petit côté poivré, des choses très digestes qu'on a sous différentes formes, plus tanniques, ça dépend les coteaux. Un petit peu de gamay, un peu de pinot et puis le persan aussi qui se développe. Il y a une vraie diversité en termes d'encépagement en Savoie. Il y a combien de cépages? Vous avez les chiffres? Il y en a à peu près plus de 25, il me semble. Ça se développe beaucoup. C'est très unique, la diversité des cépages, et va aussi avec la diversité des terroirs. Ici, par exemple, voilà, on est sur un terroir d'origine glaciaire avec l'influence du lac et des montagnes. Et là aussi, il y a une grande diversité en Savoie. Il faut découvrir les vins de Savoie parce qu'on va être surpris par leur fraîcheur, par la minéralité que ça dégage. Et il y a des accords assez fabuleux. Alors clairement, bah oui, on pense aux stations, à la raclette, mais pas que. En fait, les vins de Savoie, c'est toute une palette sur les vins blancs qui est surprenant. Et de plus en plus, justement, de personnes sont curieux des vins de Savoie. Et même la Mondeuse, c'est un vin qui est assez léger, en rouge, la Mondeuse Noire. C'est un vin qui est léger, qui est en fraîcheur, mais qui a aussi de la matière. Donc on est sur ces équilibres en fait. Donc il y a vraiment une super belle diversité. Et puis on le voit notamment à Chinien, nous on a un petit village sur 4 km de long avec plein de petits hameaux. Et chacun hameau a sa façon, sa vision aussi du vin. Et ça c'est super intéressant, du coup ça se goûte bien sûr tout différemment.